À 200 mètres à la fin de la route, veuillez tourner à gauche dans la rue Père des Campes. Par contre, attends, je me... Maintenant à gauche à la fin de la route. Je trouve qu'elle est super sensible. Ils sont blindés les coups de volant. Ah oui? Ouais. Par rapport à la mienne. T'as pas froid là? Ça te souffle pas froid toi, Martin? Non, ça va. Martin, tu sais que ma voiture va bientôt avoir 3 ans et tu l'as toujours pas filmée. Il faudra que l'eau me dise à ça. Ben oui, hein, quand tu veux, moi. Mais tu peux me proposer. Ben oui, c'est à toi d'aller la proposer, en fait. Après, je suis beaucoup dispo, bon, y'a pas de soucis. Ben, tu vas reprendre l'école, hein. Ben justement, je serai à côté. Ah oui. Préparez-vous à tourner à droite de la route dans la rue de Villeray. T'as vu le GPS, Martin? Oui, oui. Oh, monsieur, il respecte le code de la route. Hein? Oui. C'est bien. C'est quand Vous même. Veuillez suivre la route pendant 3 km. Comme voiture. Comme auto. Comme voiture. Oui, hein. Oui. Et elle roule toute seule. Mais ça, je ne fais pas, moi. Un autre pilote que moi. Elle se garde. Oui, aussi. Mais ça, on n'a pas encore vraiment essayé, hein, Michel. Martin, tu restes dans l'auto. Hein? Oui. Bon, t'appuies sur le bouton, celui. Voilà. Et même se vogue dans notre camionnette. Ah oui? Mais ta camionnette est plus quoi, lourde? Plus lourde. Donc ça fait pas la même impression. Ben non. Ça, elle me dit que des voitures là. Sur la route, vous le sentez quand même, mais... On sent quoi, des pavés? Les pavés, mais oui, ça, hein. C'est pas dérangeant. Non. Bon, il reste là, hein. Bon, je peux rester ici derrière, hein. Non, Michel? Ouais. Je vais couper. Oui, ben vas-y, et puis j'irai après. Je vais mettre le frein à main. Par contre, vas-y, Martin. Voilà. Ah, oui, le siège, il y a toutes les options sauf les sièges électriques. En GSM, il faut toujours tirer le petit clapet. Voilà. Parce que c'est de l'alu. Ça, c'est de l'alu, ça, oui. Là, là-dessus, c'est du cuir ou du simili-cuir. Là, tout le tableau de bord, là. Tes sièges, ben, c'est du cuir noir, là, alvéolé. Ouais. Là, des nouveaux pneus à l'avant. Il y a plusieurs modes de conduite, j'imagine. Oui. Oui, il y a le mode normal, le D, et puis le L, c'est, je sais pas pourquoi L, mais c'est le mode sportif. Ou là, ben... Ça, mais Marine ne va pas le mettre. Ok. Valérie, maintenant tu vois, c'est moi. Il me reconnaît. Toujours, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme option? Ben, elle a le toit ouvrant panoramique qui s'ouvre partiellement ou totalement. Elle a des 4 caméras. Donc, une caméra à l'avant et une caméra sur chaque rétroviseur et une dernière sur le coffre. Tout un système de pour se parquer mode automatique. Donc tu t'approches de là où tu veux garer, par exemple sur la droite, tu mets ton clignoteur, la voiture détecte la première voiture, tu avances jusqu'à la deuxième.
assez de place, tu peux pousser sur le bouton et elle se garera. S'il n'y a pas assez de place, elle te dira qu'il n'y a pas assez de place. Tu peux entrer voilà, automatiquement dans la base de parking, mais tu peux aussi en sortir automatiquement. Elle n'a pas fait le même trajet en marche arrière. Tu rentres dans le garage par exemple, le soir, et puis le matin tu sors, tu veux sortir du garage, ben, tu peux sortir en mode automatique. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche dans la rue de la Maison d'Orbelle. Tu dois juste gérer la voiture avec le frein, pas du tout toucher au volant. Donc tu as deux LED qui s'allument sur le volant quand elle est en mode full automatique. Donc tu as, au niveau de la conduite, tu as le régulateur, limiteur de vitesse et maintenant à gauche dans la rue de la Maison d'Orbelle. Adaptatif. Adaptatif, c'est-à-dire que voilà, avec ce mode-là, quand le GPS est activé, il est en mode de conduite semi-autonome. Donc le véhicule conduit la voiture style Tesla. Tu dois juste avoir les mains sur le volant. Tu dois juste avoir les mains sur le volant et puis voilà, la voiture, tu dois rien faire de. Préparez-vous à tourner à droite dans 600 mètres. Il faut tourner à gauche, elle tourne à gauche. Il faut au rond-point, ben, elle, c'est elle qui gère. Elle, donc voilà, en semi-automatique parce que voilà, tu dois quand même garder un peu la main sur le volant. Et ça marche pas mal. Donc pour ça, j'ai pris un essai de 3 mois gratuit. Après, on verra si on garde l'option active ou pas. Et là aussi, j'ai pris le système qui détecte les radars. Les radars fixes sont annoncés. À 200 mètres, veuillez tourner à droite sur la N29. Voilà, pour le reste, maintenant à droite sur la N29. Toute cette série, il y a beaucoup d'options. Siège en cuir. Oui. Oui. Chauffant. Siège avant chauffant. Tu veux chauffer ta fesse? Je me suis grimpé à boire dans une tâche là. Tu avais les fesses qui cuisaient. Oui. Je m'en souviens. C'est pour ça que je t'ai dit. Les pneumatiques, il y a une mesure de pression dans chaque pneu. On sait dire quelle pression il y a dans chaque pneu. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un coffre électrique. Ben, toute la console centrale New Design de chez BMW. C'est tout le tableau de bord. Hein. Donc voilà, on doit encore découvrir certaines choses, mais c'est relativement facile, simple à utiliser. Sur le volant, il y a pas mal de fonctions très simples à utiliser. Tout ce qui est téléphone. Oui, téléphone, radio, tout ce qui est régulateur, limiteur, régulateur adaptatif, c'est très facile de manipuler et de trouver. Ce qui est un gros avantage aussi, c'est d'avoir le petit écran qui permet, bon, normalement ça jette sur le pare-brise, mais ici l'information est jetée sur un petit écran qui sort automatiquement. Et finalement, quand tu conduis, tu ne regardes que ce petit écran-là qui te permet de ne pas quitter la route de vue. Donc voilà. Vraiment bien. Voilà, pour le reste, la 4 roues, elle a un volant. Oui, c'est ça, mais ouais. Elle parle. T'as entendu qu'elle parlait tantôt, hein? Où voulez-vous aller, qu'elle a demandé? Oui, reconnaissance vocale. Oui, ben, je ne sais même pas si c'est reconnaissance vocale. C'est une aide. Tu veux bien, Michel, remettre la, si tu sais maintenant, remettre la ceinture de sécurité du milieu là, en l'air. Tu vois pas, il faut un truc, quelque chose de très fin pour pousser sur la partie rouge. Voilà. Parce que je n'aime pas quand je vois ça derrière. Tu vois, ça pas fou, la tour de vis. Oui, ben ça va, c'est pas grave. Au niveau moteur, c'est comme on disait, c'est une 218i, donc 136 chevaux. Cylindres, donc ça pas mal, essence, hein, et ça dépote, ça va bien, ça roule bien, ça roule bien. Quand
sur autoroute, on a roulé un petit peu, on a fait quand même pas mal de kilomètres sur autoroute, et là on tourne à 5 litres 8, je dirais. Et là, pour ce... Combien on consomme là? Ben pour l'instant, à mon avis, on doit être à environ 8 litres, 4, 4 de moyenne. Donc les petites routes, les petits trajets, ben voilà, il n'y a pas miracle. Donc ça consomme entre 7 et 8 litres et demi, hein, les petits trajets. Mais dès qu'on roule un peu plus, ben voilà, la consommation diminue quand même fortement. Donc je dirais, avec ce qu'il a, il a aussi un réservoir grande capacité. Donc c'est une option aussi. Essence. Une essence, oui, et je dirais en roulant sur l'autoroute, on peut rouler quasiment un petit 1000 km avec le plein. Oui. Donc c'est quand même relativement intéressant. Oh bah, regarde, ici on est près de chez Louise. Ouais. La pizza. Niveau ressenti côté passé. Quittez le rond-point par la troisième sortie sur la N4 direction Wavre. Vas-y. Et moi, je suis bien installé. Ça fait quand même un petit moment que t'es dedans, hein? Un petit moment très très bien. Et elle freine aussi très bien. Et attends, je suis pas au maximum, hein. Quand maman va avoir une automatique, elle va se tromper de pédale. Mais non, on ne saurait pas trop se tromper. Vraiment te tromper de pédale. Si tu peux avoir envie de changer tes vitesses, ça oui, mais je les ai lâchés. Ils viennent tous ici. Il n'y a pas un qui va me laisser passer. Voilà. Combien de vitesses là? 7. 7 vitesses. Maintenant à droite sur la N4 direction Wavre. Donc c'est la boîte de vitesse Steptronic de chez BMW. Standard. Oui, ce qui est aussi très intéressant, effectivement il y a deux clés avec la voiture, mais ici on peut la démarrer avec, rien qu'avec le GSM, en installant un système de carte sur l'Apple en fait. Donc avec bon, le système de carte comme en NFC là, c'est ça je pense, NFC. Donc comme ta carte de banque tu as sur ton GSM, donc c'est le même système pour pouvoir démarrer le véhicule sans avoir la clé en poche. Donc, tu peux n'avoir que ton GSM, tu peux utiliser la voiture sans problème. Android, je suppose que ça marche aussi. Oui, hein. Je suppose aussi, mais je ne sais pas comment ça se configure. Parce que on est allé voir chez Volkswagen, mais ils nous reprenaient la Golf beaucoup moins que chez BMW. Et donc, on a pris la BMW. Pour des prix de voiture neuve équivalente. Hein. Donc les prix chez BMW, oui, c'est cher, mais c'est pas plus cher qu'une BMW ou qu'une Audi. Hein. BMW. Enfin, qu'une Volkswagen ou une Audi, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a devant? Un tracteur? Ouais. Pour 2000. Début 2025. Allez, ça diminue. Oui. Donc début 2025, il y aura une vidéo.
Et c'est une quelle que vous avez repris? Une Ford Transit. C'est une Ford. Et celle-ci, c'était déjà une Ford? Non. C'est quoi? Une Volkswagen. Et quoi, vous aimez mieux la Volkswagen que la Ford? Moi, j'aime mieux la... Vous aimez mieux la Ford plutôt que oui. La oui. Volkswagen? Oui. Oui, parce que... De un, hein, la connectivité est beaucoup mieux. On a un écran. CarPlay, t'as accès à Waze. Ça fait bien de le dire. Oui. Et quand même, disons-le. Est-ce que tu préfères cette boîte-là ou la boîte de la Golf? Ben, j'aime mieux celle-ci, hein, parce que la Golf, on sentait quand même beaucoup plus les à-coups. Hein. Mmh. Et attends, parce qu'ici, il veut me faire aller à gauche, mais, je peux aller à gauche, moi, je vais faire comment? J'en suis flotte, là. On doit faire le tour comme... Quitter le rond-point par la troisième sortie sur le N25, direction Nivelles. Voilà, à droite ici, un peu plus loin, tu restes sur la gauche. Et puis refaire-le comme ça. Oui. Ouais, c'est les travaux. Oui. Hein. Le rond-point ici. Ouais, ouais. Et tout est très bien indiqué. Maintenant, serrez à droite sur N238 direction Boivre et après, serrez à gauche. Oui, hein. M'attendez vraiment pas à ça. Non, t'es content alors. On a fait un bel achat. Oui, franchement. Ah. Ah. Vas-y. Toi. Ah, moi? Moi j'ai du positif, négatif. Quitter le rond-point par la deuxième sortie sur LN237 direction Outigny-Louvain-la-Neuve et après quitter le rond-point par la troisième sortie. On n'a pas encore trop de négatif, hein, Michel, pour le moment aussi. Hein? Non. Point positif, c'est qu'elle est plus haute, hein, donc c'est... Ça c'est sûr. Une conduite un peu surélevée. Négatif, je dirais, on est quand même un peu secoué. Pas ici, hein. Oui, hein. Vu que c'est voilà, c'est quitter le rond-point par la troisième sortie sur l'avenue de Vescrem. Par rapport à une voiture plus basse, ben, tu sens quand même le fait d'être plus haut, hein. Au niveau de secousse, je dirais. Ouais, j'ai tout de suite senti que. Les secousses c'était là. Ben longtemps que je suis plus venue chez toi, moi, je reconnais pas la route. À 200 mètres à la fin de la route, veuillez tourner à gauche dans la rue du Blanry. Maintenant à gauche à la fin de la route dans la rue du Blanry. Sur la droite, vous aurez atteint votre destination. C'est parce que là, on n'a pas mis le bon numéro. Hein. On n'a pas mis de numéro de maison. Hein. Tu me l'as dit, mais je ne l'ai pas noté. Vous avez atteint votre destination sur la droite. Hein. Il y a de la place, hein.
Voilà, jeune homme. Vas-y. Coupe l'engin. Ah oui. Ah bah. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.